Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller passer la A4 aux bandes puissance. Comme vous avez vu sur la dernière vidéo où j'ai installé un full tube complet. Et du coup, là je souhaitais faire un passage au banc chez mes frérots, du coup chez Shift Tech Lyon, où j'ai déjà fait des vidéos avec eux, donc notamment pour le rasso qu'il y avait eu. Là on va aller passer la A4, donc vous allez voir le résultat, ça va être incroyable. Bon les gars, c'est parti, la A4 au banc. Donc merci encore à l'équipe de Shift Tech, donc voilà. J'ai ramené plusieurs véhicules ici, donc ils font du bon boulot. Donc là le frérot il est en train de régler le banc de puissance pour pouvoir bien placer les roues. Et vu que là on est en 4 roues motrices, ça sent le mazout les gars. Là, il entraîne la centrée, comme vous pouvez voir. Ouais, les gars, du coup, quand on passe la voiture au banc, on est obligé de l'attacher. Et là, le problème, c'est que vu que j'ai fait au full jeep, le frérot, il m'a dit, bah, ça risque de s'écailler, donc il va essayer de faire un truc propre pour pas me le niquer. Oh, sinon on l'attache pas hein. Sinon on l'attache pas comme je disais là. On l'attache pas, c'est bon. Bah après c'est au mieux, après c'est pas grave hein. Regarde, t'as fait ça correctement. Il est bon le frérot. Donc là comme vous voyez, ils ont de magnifiques véhicules. Voilà, en préparation, une magnifique Golf 7 GTI. Une Ford ST. Vous pouvez voir votre véhicule à travers ce vitrage pendant le passage au banc, ou une reprogrammation si vous faites une reprogrammation chez eux. Donc voilà. Et là, la A4 elle est en train de s'énerver, on l'entend gueuler. Donc là, du coup, après l'avoir sanglé à l'avant, là le frérot il va la centrer et après il y aura un passage au banc. Comme vous voyez, là, elle est en train de se centrer. Bon bah les gars, c'est parti, la voiture va passer au banc. Donc ça va péter. Un truc de fou, le bruit que ça faisait. Po. Tu me dis pas tout de suite? Surprise. Allez, vas-y. Bon bah apparemment frérot, il y aura un trou à 2000. Un trou, c'est pas possible. Oui, il y a un trou dans le pot. Enfin, c'est vide, mais je veux dire, c'est pas normal, on va le repasser. Il faut au moins 315. Donc tu vas nous les sortir les 315. Allez, c'est parti. Thank you.
Verdict. Non, arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'elle a? Non, je trouve elle marche justement. À 265. Non. Tu veux voir? Elle a la courbe. 265? C'est pas possible. Ah, là il y a un problème. Et ça vient de quoi? Turbo d'origine? Ouais, turbo d'origine, full tube. Bon, bah, message pour mon frérot. Frérot, ta voiture, elle sort 265. Alors là, bah, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. On va aller voir le frérot. Hein. Fabio, hein, on va te casser les dents. Hein. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous as pas fait de reprog en fait. Parce que d'origine, c'est 240. La ligne, 265. Non, frérot, il y a un problème. Hein? Elle a resté. Non. T'as vu tout le temps que c'est resté accéléré? Ah, j'ai vu, c'était toi. Non, c'est pas moi. Tu me disais, il se fait plaisir, Lucas. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Non, mec, c'est pas moi. Il y a un problème? Ah, j'ai. C'est mon ABS qui fait chier. C'est normal. Hein? T'as enlevé le fusil ABS? J'ai enlevé les trucs qui servent à rien. Ouais, c'est souvent ces choses-là qui font merder les passages au banc, on va dire. Ok. Même sur la route, faut pas y mettre. Bon, après, on t'a laissé une voiture qui est un peu folle. Hein? Oh, j'étais en train de flipper, je me dis, dis-moi pas, le turbo il a lâché. Touch qualitad, parle allemand. Attends, bouge pas. 6. Tu les inverses pas après, hein? C'est tous les deux des 25 de toute façon. Ouais, bah c'est bon. Ah non, c'est un 10. 6, c'est le micro 4 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 10, c'est celui-là. Hop. C'est bon? Tu te souviens? Ouais. Un gros, hein, oh. Ouais, c'est professionnel. Hein. Oh là là, ça fume, ça fume. Je vais pas aller voir. C'est toi qui sais là. Il y a un bon score. Ça va. J'ose pas aller voir. Ça va. Il y a plus de 300. Non. Arrête. Il y a 293. Non. Non. Mais pourquoi? C'est bizarre. T'avais combien de couples avant? 650. C'est le bruit qui prend ta fusion. Donc il n'y a pas de stage 2? Bah, il y a un stage 2 de défab. On peut pas sortir plus? C'est pas moi le préparateur. Enfin, c'est pas moi qui fais la voiture. Bah, il est meilleur que moi. Non, non, c'est les fusibles, mais c'est bizarre, regarde ce que ça sort. Ouais, mais c'est bah après les chevaux, ouais, c'était plus bon. Ouais, parce que comme j'ai dit, elle était sortie à 303 la première fois sans ligne, et là avec la ligne. D'accord. Dommage qu'on puisse pas faire plus de défab. Ouais, vous pouvez pas. Voilà, bah, par rapport à ça, du coup, tu nous expliques, Lucas, les défab, c'est fini. Oui. C'est fini pour les. Même les essences, vous faites plus. Si, les essences. Essence, mais diesel, c'est mort. Voilà. Donc, bah, Shiftech, je les remercie encore parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai toujours été chez eux, mais là, malheureusement, j'étais obligé d'aller chez un autre prestataire pour mon défab. Fabio. Fabio. Ça, tu demanderas à lui, mais moi. Je suis dégoûté. Mais après, la courbe elle est propre. Elle est belle. Ouais. La courbe elle est belle. T'as du coup, t'as de la puissance, j'ai envie de te dire. Du coup, c'est quoi tous ces voyants, mon Lucas? C'est la magie du banc. Oh là là. Bon, les gars, comme vous avez vu, 293 bourrins, on va arrondir, vous me connaissez, hein, 300. Hein.
Même si elle avait 303 avant, elle a moins qu'avant, mais elle marche mieux qu'avant. T'es plus proche des 2,90 que des 300. Hein. Ça c'est vrai, c'est vrai. On va arrondir aux 2,90. On va arrondir à 2,90. Mon frère il va voir la vidéo, elle va être trop beau. Là je vais l'appeler, il va être comme un dingue. Tout à l'heure il m'a dit 317. C'est ce qu'on pensait, genre 315, 310. T'auras un peu plus, elle va fumer quoi. Si t'acceptes la fumée, t'auras un peu plus. Non, non, on voulait pas de fumée. Elle fume un petit peu et surtout. Ah, ça, c'est normal, t'es dépapé. Surtout à l'arrêt là quand tu fais le popcorn. Mais en roulant, non, y a quasiment rien. Mais je trouve qu'elle arrache vraiment. Bah oui, non, mais ça marche bien. Après, le bruit, c'est aussi, ça fait partie aussi des sensations. Hein, ouais, ça, je l'ai toujours dit, même sur les bécanes. Quand t'as un pot sur une moto, ça porte à confusion. Ça porte à confusion. Ah ouais. Ah, ça gueule et tout. En plus. Bah voilà, comme vous voyez, Lucas a remis les fusibles pour que les voyants s'arrachent de ce compteur, voyant préchauffage. Comme ça. T'as remis les deux ? Ouh, y'a plus rien. C'est quoi ce truc gros là, le fil rouge là? Eh bah je sais pas, c'est du tuning ça. Bah, c'est pas moi qui ai fait ça hein. Tu m'aurais dit dans la 8 ou. Ton frère? Non, il bricole pas. C'est quoi ce bordel? Attends, c'est une ligne, c'est ta ligne. Ah oui, je suis con, ils ont mis le bouton. Voilà. Bon bah les gars, ça y est, on vient de partir de chez Shift Tech Lyon. Donc je remercie encore toute l'équipe. Voilà, donc j'ai pu passer la 4 au banc. Et donc du coup, bah je suis content quand même du résultat, hein, malgré qu'on n'a pas les 300 piles, mais bon, j'ai envie de te dire. Hein, quand elle avait 300, c'était il y a plus de 5 ans et là on trouve qu'elle marche beaucoup mieux, donc apparemment elle aurait beaucoup plus de couple et c'est vrai que moi je la trouve beaucoup plus puissante. Donc voilà, là on se retrouve à l'intérieur de la magnifique A8, petit ciel étoilé. Donc merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de laisser un petit commentaire et puis du coup on se dit à mercredi 19h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.